commence ici. Les jeunes n'ont pas tous les moyens d'accéder aux salles de musculation. Au Mans, au cœur du quartier des Sablons, l'imagination et la créativité ont pris le dessus. Tout est bon pour pratiquer le street workout, littéralement la musculation de rue. Avec des ustensiles comme des bancs par exemple, simplement, des bancs, des chaises publiques, des arbres, des poteaux, comme on le voit ici avec une structure de jeu pour enfants. On peut adapter via tous les agrès, ce que je peux appeler des agrès, et tous les jeux pour enfants, des mouvements de musculation naturels. L'initiative a séduit le service jeunesse qui vient d'embaucher Mihaïl comme animateur. Tous les soirs, près du gymnase du quartier, cet ancien sportif de haut niveau apprend gratuitement aux jeunes les bases du street workout. Et c'est mieux. On peut le faire chez soi. On peut le faire chez soi, tout à fait. Pareil pour les cordes aussi. On peut se la faire nous-mêmes et on peut l'accrocher à un poteau et chez soi on peut le faire. Franchement, je me sens mieux qu'avant. Au moins là, je sais que je peux faire du sport tout le temps, n'importe où. Donc j'ai plus de contraintes, pas besoin de salle ou quoi que ce soit. Donc c'est assez intéressant, quoi. Et donc du coup, ça m'aide à progresser. Tout le monde est bienvenu, quel que soit votre gabarit, à chacun sa muscu. Ça s'adresse à de 7 à 77 ans, quelles que soient les origines, les cultures, le niveau social, peu importe. On met aujourd'hui à disposition ce genre de matériel qui n'est pas traumatisant, parce qu'on travaille au poids de corps essentiellement. Objectif de Mihaïl, monter une association de street workout, trouver des soutiens, bref, muscler son quartier. 5, 4, 5, 6,